construire un établissement comme celui-ci et ne pas croire à l'avenir du cinéma, j'aurais quelques inquiétudes. Tu avais des exigences pour les fauteuils. Oui, c'est ça. Donc, d'accord. Le tissu, par exemple, puis là, surtout les accoudoirs. Nous venions de l'école Victor Hugo le samedi après-midi. On nous faisait une projection, la ville nous permettait de venir voir une projection. C'était le documentaire du film de la semaine, les actualités pâtées, les coqs qui chantent. Ensuite, les films annoncent. Et c'est là qu'il y avait des fois des petites choses assez curieuses. Les maîtres n'étaient pas très contents, parce que dans les films annonces, parfois c'était un peu olé olé. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas. Ce qui veut dire que depuis dimanche... Dimanche, aujourd'hui, les cinémas en France sont tous fermés. Pendant 23 ans, j'ai donc géré ce cinéma. Et puis, il faut reconnaître que c'est avec beaucoup de joie que j'y ai travaillé et même une certaine peine que je l'ai quitté. Merci, Cinéma Le Club. On est dans une période où il faut d'abord faire peur aux gens. Il faut d'abord faire peur aux gens. Ben, je sais pas, c'est plus facile peut-être de tenir un peuple ou un pays.